Poufouf YouTube, bienvenue. Nouvelle vidéo sur Code Monder, Code War War 2. Regardez ce ratio, 3-14, incroyable. On est en MMO, MME sur Hatchen, c'est ma troisième partie. Et pour le moment, pff, incroyable, ce jeu est fait pour moi. Bref, on est sur la bêta ouverte de Call of Duty WW2. Ça sort le 3 novembre 2017. Et là, on est sur la bêta ouverte sur PC. Et c'est... Je m'amuse comme un enfant. C'est super stylé. Vraiment, c'est un pur plaisir. C'est un vrai FPS dans une période historique qui pour le coup se prête plutôt bien parce que bah, c'est une période de guerre. Ils auraient dû faire ça il y a déjà des années en fait. Voilà. Ils auraient dû faire ça il y a des années. Je sais pas pourquoi ils font ça que maintenant. Ah merde. Je sais pas pourquoi ils font ça que maintenant, parce que sérieusement, ce jeu... Alors, on peut pas sauter sur les murs. Le saut est tout petit, vraiment, c'est un truc tout léger. Alors, je suis pas ultra fan de cette carte, mais bon, ça vous permettra de vous montrer un petit peu les cartes. Et c'est... ouais, et c'est vraiment, vraiment super stylé. Enfin, je m'amuse. La partie d'avant, alors, vous la verrez pas. Parce que malheureusement, bah, je l'ai pas enregistré. Mais j'ai fait un 22-7. J'ai débloqué tous les trucs et tout, c'était super stylé. C'est un vrai FPS, ça fait plaisir. Après, à voir ce qu'ils en font avant que le jeu sorte, hein, bien évidemment. Mais pour le moment, c'est cool. Alors là, je meurs beaucoup de fois, là, mais s'il vous plaît, attendez, laissez-moi revenir. Non, mais le jeu est bon. Le jeu est bon, Viper, vraiment. Voilà, j'ai laissé un petit peu... Il est où? Il est là. Je le traque. Hartung, Hartung! Restez groupir! Nice. Allez, go, on est parti, les gars. Alors, il y a du snipe, il y a du pompe. Il y a pas mal d'armes. Sur cette partie, on restera sur cette arme. Parce que les autres classes, j'ai essayé... Je suis pas très très bon et très très fan. Alors celle-là, j'ai l'impression qu'au niveau des spawns, tu peux genre faire barrage et bloquer carrément une partie de la rue. Là, il y a un gars. Merde. Il avait une arme un peu plus puissante au corps à corps, j'ai l'impression. En avant. Putain, ça fait plaisir. La dernière fois que j'ai joué à un COD, c'était il y a des années. Alors après, en face, il y en a aussi qui sont bons, hein, attention. Hein. Mais ouais, le dernier COD... J'ai joué au dernier code et voilà quoi, j'ai à peine touché le solo, j'ai à peine touché le multi, j'ai arrêté direct. Je crois même que le dernier je l'ai pas acheté, c'était l'avant-dernier. Le dernier je l'ai testé à la PGW, je me suis fait rouler dessus, ça a duré 5 minutes et c'était fini. Il y a un gars en dessous. Merde, c'est pas passé. Je m'étais fait rouler dessus et c'était fini. On pouvait sauter, on pouvait jump pack d'un côté à l'autre, enfin, c'était un petit peu... Merde, il y a un gars un petit peu plus bizarre, quoi. Alors par contre, les greux, c'est un délire. Hein. Les gars sont très 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 à cheval sur les greux. Ouais, les mecs sont grenade, grenade, grenade tout le temps. Merde. Mais au moins, il n'y a pas de lance-flamme, il n'y a pas de lance-roquette, il n'y a pas de lance-grenade. Enfin, pour le moment, j'en ai pas vu. Hein. Peut-être, à mon avis, ça doit se débloquer. Mais pour le moment, j'en ai pas vu du tout, donc ça fait plaisir. Pareil, j'ai pas vu de C4. Bon, il y a des greux, mais bon, faut bien aussi qu'il y ait des choses à lancer. Merde. Ouh, ce joueur David Park. Pseudo que vous connaissez, il est là, en haut des tableaux. En avant, en avant. Perso, c'est le genre de jeu que j'arrive pas à terminer. Ah ouais? Bah moi, justement, c'est tout le contraire. C'est le genre de jeu où j'ai hâte de faire le solo. Parce que si c'est aussi nerveux que... Si c'est aussi nerveux que le multi, ça va être génial. Et le multi va être génial. Merde. J'ai un peu paniqué, j'avoue.
Merde, c'est pas passé. Avec Gone avant. On testera les autres modes après. Parce qu'il y a domination, il y a plein de modes qui ont l'air bien stylé. Attends. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Petit coquin. Petit cachetier. Alors là, si je veux, je peux ramasser un snipe. Alors ouais, ça c'est pas ma carte préférée, celle-là. Oh là. Le jeu est pas sorti, le gars a déjà sa carte préférée. Merde. Arrête. Bon, sinon j'ai un petit piou-piou aussi, hein. Mais voilà quoi, c'est un petit piou-piou. Souvent le petit piou-piou, tu l'utilises quand t'as plus de munitions sur ta grosse arme. Ah, les greux, mais les greux, c'est un bordel, hein. C'est, les gars passent leur temps, dès qu'ils ont une grue, la lance, de toute façon. Bah, ils ont raison, ça fait du kill, hein. Bon, juste que moi, je pense pas le faire, quoi. Allez, go. On passe à côté. Voilà, la baraque est tellement détruite. J'avance au péril de ma vie. C'est très dangereux. L'ennemi est partout. Merde. Ah, oh, dommage. Sniff, sniff. C'est quoi pour mettre un coup de couteau déjà? Ah, c'est A. On a comme une sorte de baïonnette sur l'arme. Nous allons y arriver. Bon, moi c'est bien. J'arrive à faire un petit peu de kill, ça fait plaisir. Attention, je rentre dans la maison. Vais-je être stoppé? Je marche dans les ruines d'un bâtiment. Où sont-ils? J'en ai eu un. Oh, joli le petit obus là. J'en ai eu deux. Ah merde, il y en avait un qui snipe pas à côté, je suis con, j'aurais dû viser lui, toi. Très déçu. Très déçu. Très déçu, très déçu. Tu peux aussi jouer en team avec les amis Steam. Ah ouais, Gamark? Je sais pas, j'ai pas essayé. Moi, c'est la première fois que je lance, enfin, c'est la première fois. Si, j'ai lancé le jeu aujourd'hui pour la première fois, donc je sais pas trop, mais oui, j'imagine que... Une fois que le bazar sera sorti, tu peux play avec, avec tout le monde. Alors... Merde. Ok, ouais, en fait les spawns sont pas du tout un... Là y a pas du tout d'échange de spawn, quoi. Eux ils sont d'un côté, toi t'es de l'autre côté. Et puis... Et puis c'est tout, quoi. T'assaut, puis tu fais au mieux. Allez hop, grenade, vu que tout le monde aime bien les greux. Mince. On est reparti. Ouais, cette carte est moins fun que les autres. Parce qu'on spawn toujours rue de l'église, là. Et on doit aller bah toujours de l'autre côté, quoi. Et du coup, les mecs sont planqués sur les côtés. Donc au niveau fun, c'est moins fun que les autres, celle-là. Mais Afra kiffé les gars qui aiment bien camper, quoi. Dark Lord, je crois que t'es en pleine D5, garçon. Je crois que t'es en pleine D5 là. Alors moi j'ai toujours pas débloqué mes bombes et tout, je suis assez déçu de moi. Moi qui normalement... Yes. Merde. Ah, oh, c'est pas possible. Ça campe en snipe de l'autre côté. C'est pas possible, Twitch. C'est pas possible. YouTube, Twitch. Ah non! Défaite. C'est pas possible. Alors, est-ce que je suis en truc de fin? Donc ça, c'est la killcam de fin. Waouh. C'est très très bien visé.
C'est très 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 bien visé. Très bien. Ou alors c'est le last kill parce que... Je pense plutôt que c'est le last kill parce qu'en kill de fin... C'est un poil léger quand même. Alors qu'est-ce qu'on a là? Crash du jeu. Ah non. Oh. On était un de moins. On était un de moins quand même. Est-ce que je suis... Bah je suis même pas là. C'est pas possible. David Park n'est pas dans le classement de fin. Sniff sniff. Sniff sniff. Tout simplement. Est-ce qu'on passe niveau 5? Niveau 5. Nice. Niveau 6. Ce level up de fou furieux. Niveau 6, la première classe partie 2. J'ai débloqué des petits trucs. Oh nice. Je peux avoir un cocktail Molotov maintenant. Alors très clairement, je préfère avoir le cocktail Molotov. Voilà un petit peu à quoi je ressemble. Vous voyez pas ma tête, mais voilà, vous avez qu'à vous l'imaginer. Et ben c'était plutôt nice. Bon, le ratio est un petit peu descendu quand même. J'avais fait 1.36, 3.14, là c'est 1.6. Mais bon, ça fait plaisir. Et ben écoutez, on cesse là-dessus. Fin de vidéo, fin de partie. Au revoir. Bisous.